Précédemment dans Brazzers. Et tout de suite, la suite de votre feuilleton. Maquée, des munitions de magnum dans les toilettes. Je savais qu'il y ait chié du plomb, mais là il me faut carrément plus de fibres. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Resident Evil V, bâton bâton, épisode je ne sais plus combien, ce n'est pas important, et nous allons ranger les munitions de Magnum, puisqu'elles ne servent absolument à rien. Est-ce qu'on achète le Magnum aussi? Ça pourrait être intéressant ça, d'acheter le Magnum. Il est où? Attends, c'est quoi ça? Stabilisateur, votre vitesse de rechargement augmente, augmente votre vie maximale, ça c'est très intéressant. Et enfin, le Maggie qui est dans la cage. Il faut le nourrir tous les jours, hein. Il ne faut pas le laisser sortir de sa cage. Plutôt que d'utiliser le Magnum, je pense que je vais prendre les stéroïdes. Pour 3 pièces, on va jouer la pièce. Oh. 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 Voilà, maqué les stéroïdes pour me sentir encore plus viril. La drogue, c'est mal, les enfants. Mais là, pour le coup... Pour le coup, j'avoue, c'est plutôt pas mal. Grosse aiguille, quand même. Hein. Jesus Christ. Faut oser se le mettre dans le bras, le truc. Hein. Et j'ai une question. Est-ce que c'est un item qui augmente ma vie maximale? Ou est-ce que c'est, comme je le soupçonne, chers amis, un item qui non seulement augmente ma vie maximale, mais me soigne entièrement? Ça ressemble au genre de truc que Capcom ferait, tu vois. Donc ce serait peut-être très con de ma part de m'en servir tout de suite, plutôt que d'attendre que bah, ça remonte ma life, quoi. Parce que c'est quand même assez gratos, ne nous plaignons pas. J'ai 13 balles de pistolet, le pistolet, et est-ce que j'ai la photo de trésor? Ah bah oui, les munitions dans les chiottes, c'était le trésor, vous savez, avec les chiottes et les clopes juste à côté, donc c'est bien ça, c'est ça, c'est ça. Mais celle-ci, voyons voir. Putain, ça ressemble à un endroit dans la vieille maison. Enfin, dans la maison, en fait. Pas la vieille maison. Les deux maisons sont vieilles. Mais ce que je veux dire, c'est pas celle où on a affronté la vieille. Celle où on a affronté le vieux. Voilà, celle-ci. La maison du début. Et si je devais donner un avis, je pense que ce serait à l'étage. Soit à l'étage, soit au rez-de-chaussée. Soit à l'étage, soit au rez-de-chaussée. Pour l'instant, il n'y a personne. Donc, avançons gaiement, braves gens. Et ça, c'est un fusil cassé. Je me demande si on aurait pu le réparer avec le kit de réparation. Hein. Oh bref, on le saura jamais. De toute façon, j'ai utilisé mon kit pour mon flingue. Putain, j'ai toujours peur que le vieux soit là, en fait, alors qu'on l'a buté. On l'a buté, donc voilà. Il y a même la trace de sang sur le sol. C'est cool qu'il l'ait laissé, ça. Ça, je trouve ça super sympa. Ok. Si je devais deviner, je dirais c'est peut-être ici. Rien à être trouvé ici, pas dans les non, pas dans les poubelles, rien. Ah ah, non. 2 octobre, on dit qu'une tempête approche, blablabla, renforcer les fenêtres, blablabla, très bien. Très bien, très bien. Donc c'est la tempête qui a niqué l'ancienne maison. Une tempête a niqué l'ancienne maison, tout s'explique. Qu'est-ce que c'est que ça? Pierce Connell du hippie, très bien, très bien. Des jeux de société. Avec Twister. Putain, des jeux de dames, quoi. Oh là là, enfin, ouais, voilà, quoi. Le jeu le plus intéressant du monde. Les mecs qui ne connaissent pas le concept du fun. Chambre de grand-mère, salle de bain, chambre d'enfant. Peut-être dans la chambre de mamie. Qui sait, peut-être, hein. Peut-être, peut-être. Hop, on va le laisser là. Ce serait cruel de ma part de le prendre. Oh, des cartouches de fusil à pompe. Comment j'ai pu rater ça dans la chambre de mère grand? Est-ce que c'est elle qui les a posées après coup? Putain, mamie, elle est based. Mamie, elle fait plaisir, tu sais. Mamie, elle vient en chaise roulante, elle monte à l'étage. On sait pas comment elle fait déjà. Et ensuite, derrière, bam, elle pose des munitions de fusil à pépon. Salle de surveillance, buanderie, garage, morgue, salle de dissection, salle d'incinération, hall principal, cellier. Je suis persuadé que c'est quelque part dans cette baraque. Donc on va chercher. On va chercher la cheminée. À moins que ce soit dans une des portes que je n'ai pas pu ouvrir encore. Hein. Ça me paraît très suspect. Ça me paraît très suspect qu'ils aient carrément des cheminées dans les chambres. Vous voyez ce que je veux dire? Pour être même honnête, ça ferait aucun sens. Et cette caisse est revenue. J'avais jamais cassé cette caisse. Ok, bah pas de problème.
Et ça, c'est fermé à clé. Très bien, il faudrait que je puisse le crocheter. Sauf que je n'ai pas le matériel pour ce faire. Excellent, très bien. Peut-être que je n'ai jamais pris cette caisse, effectivement. Peut-être que j'étais toujours trop occupé à fuir le vieux. Et ça, c'est la salle de bain. Ça ne coûte rien de la revérifier rapidement, rien, sinon qu'il y a toujours cette espèce de moisir sur dégueulasse. Voilà, très bien. Bon. Ça n'a pas changé. Ok, très bien. Bah écoute. Pressons, et retournons au rez-de-chaussée. Ça ne s'ouvre pas. Il faudrait la clé, j'imagine, la clé avec un serpent dessus. Si je ne m'avance pas trop. Pour l'instant, je suis plutôt content de savoir que dans ce jeu, quand tu butes les monstres, ils ne reviennent pas. Tu vois, il n'y a pas de repop. Moi, ça me dérange pas. Au contraire, je vais être sincère. Ça m'arrange. Putain. Peut-être le séjour. Cuisine, salle à manger, cellier. Halle principale, salle de surveillance, réserve, salon. Peut-être dans le salon avec le cerf. Peut-être dans le salon avec le cerf, hein. Vous savez, il y a le daim. Attends, je peux passer par là? Ouais, je passe par là. Écoute. Ça passe, hein. De toute façon, on cherche, chers amis, on cherche parce que... apparemment... les trésors sur les cartes valent la peine d'être reçus. Donc ça mérite qu'on fasse 4 à 5... Ah 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 ah. Ça ressemble quand même vachement à ce qu'on cherche, n'est-ce pas? Ah ah. Des stéroïdes, quelle chance! Bah putain, quel coup de veine. Là j'avais tout pris? Ouais, là j'avais tout pris. Quel coup de veine, hein, monsieur Caribou? Mais oui, c'est un bon caribou, ça. C'est un bon caribou. Très bien. Et du coup, le bon caribou nous a filé des stéroïdes. Excellent, donc on a deux stéroïdes. Donc on peut les prendre, et on peut même poser la popo de soin. Dégueulasse. On peut poser la popo de soin, chers amis. Dans cette pièce qui est là, si je me souviens. Voilà. Faire de la place dans l'inventaire et les stéroïdes ne se cumulent pas. Bon, on va en garder un. On va en garder un, on va poser les munitions de pépon, garder la lanterne, garder le pistolet. On a un objet de soin, 13 balles et un chargeur. Ça va. Quoi qu'il nous balance dans la gueule, je pense que ça devrait bien se passer. On vient juste d'affronter un boss dans la timeline. Donc à mon avis, c'est pas pour tout de suite. Ils vont nous harceler, les petits. On a toujours pas les cartes clés. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Oui, il y a la lanterne. C'est ça. Il faut que je retourne à l'ancienne maison. Et qu'il éclaire la lanterne. La lanterne qui était cachée dans la chatte à la vieille. Oui, ça s'est brisé. Très bien. Par où ça passe? Étage au-dessus? Hôtel? Ah, non, c'est dans l'ancienne maison. Je me suis trompé. Demi-tour. Navré, hein, pour ceux qui connaissent le jeu par cœur, il doit y déjà avoir des gens comme ça qui sont là. Putain, mais bon, tu t'es trompé, blablabla. Oh, ça va. Ah oui, je peux passer par là du coup. Impeccable. Hop. C'est ça, c'est le raccourci pour aller à l'ancienne maison. Voilà. Mais Bob, t'es complètement fou, et si tu tombais sur des monstres, j'ai peur. Paniquez pas, j'ai buté tout ce qui se trouvait. J'ai buté tout ce qui existait. Il est hautement improbable qu'on tombe sur quoi que ce soit. Paniquez pas. Voilà. On y est. Impeccable. La maison Korbach, je l'avais ouverte. Ça mène au petit hôtel. Ça mène à la tête de bébé. Oui, c'est bon, c'était par là. Et là, il n'y a rien. Très bien. Oula. Il y a quelqu'un qui apprend à jouer du piano un peu au pif, hein, j'avoue. D'accord, il n'y a personne qui joue du piano ici. Il y a même des bougies sur le piano. Si vous voulez mon avis, c'est pas sain du tout. Et ça, on l'avait lu, impeccable. Impeccable. Ok, elles sont mignonnes les mythes. Barrez-vous les mythes, barrez-vous. Ok, très bien. J'ai une question. Est-ce que ça aurait été pas plus simple de laisser appuyer avec ta main ou d'y accrocher quoi que ce soit? Oh, ouais. Genre tu déverrouilles un tiroir là et tu l'accroches. Non, ça se joue pas. Ok, bon bah apparemment tire la bobinette et la chevillette, chère rat.
aussi, mais délicieusement pas rassurant, si je tiens à dire. Un jeu de simulation de belle pose de plateau. Un faux crocodile, absolument adorable, je tiens à le dire. Tiroir. De la scribouille. Est-ce que c'est une chambre d'enfant ? Est-ce que ce serait pas la chambre de la petite ? La fameuse petite qu'on n'a pas encore vue, et qui, à mon avis, soit mort... Ok, Apollo, d'homme à homme, de mano à mano, il faut que tu arrêtes de jeter des ballons. Tu me fais terriblement peur avec ton sublime corps d'ébène et tes muscles ciselés parfaits d'une fermeté absolue. Pardon, excusez-moi. Ok, donc on est clairement dans la flip. Pas de problème, on va pas se chier dessus, on va faire face. Ma famille. Ça fait beaucoup de gens pour ta famille. Evelyne. Bon, bah le prochain boss, c'est la petite. Ça fait beaucoup de chaussures, Evelyne, si je puis me permettre. Ça, c'est juste un ballon. Ok, par contre, Evelyne, je me dois de questionner le pourquoi du comment tu as une statue d'homme grec nu dans ta chambre. Tu vois, alors que les chevaux, ça me paraît un peu plus... raisonnable. Charmant. Délicieux, j'ajouterais. Du coup. C'est quoi? C'est un monstre? C'est un bateau? C'est un bateau qui est fendu en deux. Ok, très bien, pas de problème. Et ça, c'est Monsieur Pookie. Monsieur Pookie qui est absolument adorable. Oh! Monsieur Pookie qui est pris par des élans de satanisme. Ok, Monsieur Pookie qui s'en balance. Ok, tout va bien. On panique pas. Face à l'adversité. On sort le flingue quand même. Bon, on va faire face à l'adversité, mais bien armé quand même. Ouais. Ceci est très 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 spoopy. Très spoopy. Ça fait beaucoup de moisissures, ça, madame. Ouais. Ok, la moisissure produit des bébés. Je le saurais. Quelque chose ne va pas chez elle. Je m'en doute. On va délicieusement fermer cette porte, par acquis de conscience. Voilà. La panique est totale. Cette porte était ouverte, elle s'est refermée. Très bien. Spooky, scary, skeleton. Ne t'approche pas. Spooky. Et puis d'abord, il m'approche si je veux. C'est pas une ninja, hein, qui va me dire ce que je dois faire. Ok, donc elle a une chambre à coucher avec une grosse porte quand même. Ah, par contre, elle a les draps les plus adorables du monde. Les draps du pirate. Elle aime bien les bateaux, apparemment. Ça expliquerait pas mal de choses et... Très bien. Un plan dans son passage secret de la maison, dans la petite maison de la maison. Très bien. Moi, la petite, elle a la tête sur les idées. Ouais, moi, j'avais une cabane dans un arbre. C'était bien. La petite cabane dans un arbre, avec une petite échelle. Ça, c'est quand même spooky as fuck. Il y a des offrandes. Il y a des bougies allumées,
Ah, il y a le bras de série D. Moi, ça tombe bien, je suis un acteur de série B. Pardon, madame. Oh, mon Dieu. J'imagine que c'est ça. Bon, eh ben, je sais pas pourquoi ni comment ça fait un sérum, mais... Non, reviens là. Oh. De mémoire, il n'y avait pas tout ça sur les murs avant. Oh shit! Shit, shit, shit! Bien tenté! Bien tenté! Bien tenté de m'avoir surpris. Shit. Passe la porte, retourne-toi, ferme la porte et il est baisé. Ah! Il est baisé, n'est-ce pas? Il a l'air baisé. Bon, tout va bien. Tout va bien. Ça va, monsieur Pooky? Monsieur Pooky, monsieur Spooky, il est Pooky. Très bien, il est Spooky, Pooky. Il faut que je retourne à la caravane. Il faut absolument que je retourne à la caravane maintenant que j'ai le bras de série D. Il y en a un autre dans la zone, ça c'est une certitude. Voilà, il est là, il est beau. Oh putain. Ah, raté! Il m'a raté! Profitons-en pour fuir. Aïe aïe aïe, il m'a touché. Profitons-en pour fuir. On se retourne. Et voilà. C'est bon? C'est bon. Ils savent pas ouvrir les portes. Ah le glandu. Ah le glandu. Bon. Il a quand même réussi à me toucher un petit peu. J'ai dû claquer 2 balles pour son cul. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Pour ma part, c'est un succès. Là, il y a un téléphone. 130 $ qui sonne. Très bien. Allô? Tu l'as trouvé? Ouais, je l'ai. On va vraiment fabriquer un sérum avec ce truc? Ne t'inquiète pas. Une fois qu'on l'aura, on pourra sortir d'ici. Ensemble. Cool. Je t'attends dans la caravane. Oh. D'accord. Avec plaisir. Avec désir. Ok, donc maintenant, trick questions. Est-ce qu'il y a des monstres qui repopent un peu partout? Moi, je serais le développeur, je ferais ça, hein, histoire de... Oui, bah oui. Oui, bah je suis tombé dans le trou. Oui, voilà. Ah, ah, c'est très drôle. Ah, ah, voilà. Ah, 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 ah. Hilarant! Du coup, disais-je donc, je serais le développeur, perso, j'aurais mis des strums partout, là. Ils m'en ont donné 3, ce qui est très bien, qui était relativement aisément esquivable. Bon, j'en ai buté un parce que j'ai paniqué, mais si j'y avais réfléchi, tu vois, je l'aurais juste contourné et j'aurais fermé la porte. Et on aurait gagné un temps fou. Non, c'est bon. Tout va bien. Hop. Voilà. Tac, 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 tac. Pas de strum. Pas de strum, tout va bien. Bon, bah, super. Alors, j'ouvre, j'entre, je ferme, le téléphone sonne, bien évidemment pas de fille nue. Attends, il y avait à répondre. Ah, c'est bon, je suis prêt. Allons-y. Allô? Où est-ce que t'es maintenant? Hein? On laisse tomber. Il nous faut la tête et tu l'as déjà. Et ça va nous aider, c'est ça? Hé, hey, mon pote, j'ai un truc à te dire. J'ai décidé que Zoé avait besoin de faire un break. Lucas. Elle et Mia sont avec moi. Oh. Laisse-les partir! Qu'est-ce que tu leur veux? Non, non, non! C'est des histoires de famille, Ethan! Alors, tu te mêles pas de ça, t'as pigé? Maintenant,
activité que j'ai préparée juste pour toi. Quelle activité? Oh, sois patient, patient. T'inquiète pas, elle va pas s'envoler, tu sais. La première chose que je veux que tu fasses, mon pote, c'est jeter un coup d'œil dans le frigo de la caravane. Va te faire foutre! Oh, oh, allez, sois pas si agressif. Tu veux t'amuser un peu, pas vrai? Alors, regarde dans le frigo! Très bien. Il veut qu'on regarde s'il y a de la pizza dans le frigo. On va regarder s'il y a de la pizza dans le frigo. Personnellement, je m'attendrais à une bombe déjà d'une. Et de deux, j'ai envie de dire, ok, donc il y a le Joker qui a kidnappé notre copine et notre femme. Super. Charmant. Absolument charmant. Oh, attends. Attends, il a muté. Oh, regardez, c'est le visage d'un mec qui a muté en... Ah, oh, d'accord. Le flic t'attend dans la salle de dissection, tocard. Le flic était mort, il était mort, mon gars. Y a pas de souci. Très bien. Bon. Bah, partant du postulat qu'on va affronter des tas de ces saloperies, je vais prendre mon ami le fusil à pompe. Hop. Très efficace, mon ami le fusil à pompe. Un très bon ami, vraiment. Il faut que je vous présente plus souvent. Alors, les munitions de pistolet, ce serait cool, j'en prenne un peu, mais pas tant que ça, en fait. C'est possible de les diviser? Non, hein, bien évidemment. Bon. Bah écoute. Remède de premier soin, ça fait plaisir. Peut-être un. Ouais, ça devrait suffire comme ça. Impeccable. Impeccable, impeccable. Impeccable. Bon, on est prêt à faire face. Donc le flic t'attend dans la salle de dissection. Super. Où est la salle de dissection déjà? Salle de dissection, c'est au sous-sol. Miséricorde de Mazette. Très bien, bah écoute, allons-y. Allons-y, faisons face à l'adversité. Essayons d'avoir une garde, cher. Très bien, pour l'instant tout va bien. Ok, comme le jeu veut que je backtrack, à mon avis, il a fait repop. Hein. Il a fait repop la putain de planète. Hein. Toute la planète. Clac-clic. Dis-moi, il n'y en avait pas autant la dernière fois. Pas qu'il y en avait autant la dernière fois. Est-ce que j'ai la clé de l'atelier ou toujours pas? Non, j'imagine que non. Hein. Faut, putain, il faut passer par la chaufferie. T'es sérieux, je suis obligé de passer par la chaufferie. Ah, chier. J'aime pas passer par la chaufferie. Trop de bruit, trop de monstres. J'ai généralement un mauvais souvenir de l'endroit. Putain, la vieille. Ah, tu m'as fait peur, mamie. Oh, t'es trop con, mamie. Mais qu'est-ce que tu fous là, mamie? Oui, je veux dire, sans décoller, mamie. J'ai failli te mettre une cartouche, mamie. Qu'est-ce que tu fous dans l'atelier, mamie? Pourquoi tu répares le moteur? Mamie qui répare tout le moteur électrogène. Mamie qui est safe. Mamie qui s'en fout. Mamie qui va être soit le boss de fin, soit ta femme, dans un twist absolument immonde. La mamie s'est mise à, je rigole. Ah, oh, wow, putain. Ok, ok, ça dose. Et ça, ça dose ou bien? C'est bon ça. Désolé mon gars, mais c'est l'heure du Deep Throat. La clé du serpent, cool. Yes. Il est baisé. Il s'est fait niquer par la portière. Pardon, excusez-moi, j'aurais dû la faire rimer, mais... Retrouvez lors du prochain épisode de Resident Evil V Bâton Bâton. C'est ça qui est bon, chers amis. Des bisous, allez-y.